La première question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que Lionel Messi, dans sa tête, il se voit toujours comme un joueur de foot professionnel? Parce que si ça se trouve, Messi, lui, dans sa tête, ça y est, il a terminé avec le football depuis qu'il a gagné la Copa América. Je pense que c'est un autre homme qu'on voit, parce que les images que vous venez de voir, c'est pas des images d'un site adulte, mais bien les stories Instagram de Lionel Andrés Messi. Alors, on savait que la Copa América aurait libéré Messi, mais ce qu'on voit ces derniers temps sur son compte Insta... Yo, calma, tranquillidad, calma, calma. Calme, calme. Alors bien sûr, on se calme, tout ça c'est du second degré. Messi est normalement attendu sur les rumeurs de retour à Barcelone début août, donc a priori on devrait en savoir plus sur sa prolongation de contrat sous peu, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Mais moi je ne m'inquiète pas, je pense que Laporta sait très bien ce qu'il fait. Le plus important c'est que Messi, il profite pour de vrai, pour une première fois depuis pas mal de temps, de ses vacances, parce que d'habitude c'était toujours raccourci à cause du Barça, à cause des compétitions internationales, en plus qui se terminaient mal. Cette fois-ci, il vit sa meilleure vie. Et ne soyez surtout pas étonné de voir un nouveau Messi arriver dans la famille dans quelques mois. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte comme ça pour réagir à chaud sur ce que je venais de voir sur Messi. Ça m'avait fait grave rire, je voulais le partager avec vous. Alors oui, je sais que des personnes vont me parler de la déclaration de Tony Yoka, etc. Moi, c'est pour moi une personne insignifiante, donc je n'accorde pas beaucoup d'importance à ça. J'en ai parlé sur Twitter, donc venez sur Twitter si vous voulez en parler, mais j'en fais pas des masses tant que ça. Pour moi, voilà, c'est un non-événement, c'est un type qui cherche à faire son buzz. Donc... on est tranquille par là. Prenez tous soin de vous et à très vite.